vais faire un coin savane. Je vais faire un coin savane. J'ai envie de faire un enclos qui commence là. Il se passe quoi? Un être faible? Eduardo, mais c'est qui Eduardo? Nacho? Mais ils ont fait des petits? Attends! Comment ça, Nacho, Eduardo, Malugo? Ah merde, j'ai oublié de renommer le deuxième. Ok, mais ils ont eu un petit. Là, il y a toujours Birsoft et Océane. Attends, Malugo, elle a eu un petit là, avec eux. Avec Eduardo? Ils ont eu le petit Nacho? Ah non, c'est avec Nacho, ils ont eu le petit Eduardo. Oui, oh, il vient de naître. Et bien-être faible, ça va remonter, non? C'est juste parce qu'ils ont eu un enfant. Okinal, deuxième iguane. Ok. Je propose juste qu'on rename pas les enfants parce que sinon je vais pas pouvoir. Il va y avoir des tirages au sort toutes les 2 secondes parce que ça va être exponentiel. Bon, bah je vais pas castrer pour l'instant, je vais laisser, mais j'ai pas envie qu'ils soient trop nombreux dans l'aquarium, enfin dans le vivarium quoi. Sociabilité de l'animal. Groupe trop grand. Et ton enfant, wesh, chill, Okina. Ils sont pas bien parce qu'il y a le bébé. Et je vais vendre le bébé, je crois que je peux le vendre, hein. Ouais, ok, je viens de dire, Manugo, je viens de dire. Bordeaux. Et au centre. Je vais le revendre. Hein, wesh, oh non, non! Il y a le code qui est affiché! Bon, merci Alex. Bah là, du coup, je suis dos au mur, je suis obligé de les prendre. Bon, bah merci. Il m'a envoyé des clés. Mais Alex, il me paye trop de trucs. Il m'a envoyé les clés pour du coup le mode Afrique et les DLC Afrique et Aquatique. Bon, je me suis empressé de les copier du coup. Les codes complets affichés à l'écran. Bon, bah merci Alex. Me m'offre pas plus, c'est bien déjà. C'est déjà très bien, merci, merci à toi. Bah c'est bénef. Bénéfice globaux. Tac. Et je suis déjà à 9 000 $, ça monte trop vite. Faut que je redémarre le jeu, je pense, non? Pour avoir le DLC aquatique et Afrique. Attendez, je vais save. Regardez. J'adore le jeu, mais je peux y jouer jusqu'à je sais pas quelle heure là. Hein. Je peux y jouer jusqu'à je ne sais pas quelle heure. État du cloud. Je crois que ça. Je crois que c'est bon, je relance juste. Oh yo gros chien, merci pour les 32 mois. J'espère que tu vas bien. Grave addictif, mais vraiment, c'est trop addictif. À la base, je devais faire autre chose. Ça fait 4 heures que je joue, que je suis sur Planet Zoo. Et je suis pas prêt de lâcher là. Hein. J'espère que ça vous plaît aussi le chat. Hein. C'est un peu plus chill que d'habitude, c'est posé et tout, mais c'est trop prenant. C'est vraiment trop prenant. Il fait le chien. Actu Zoo Paris. Ah ouais, c'est ça.
fermez le zoo. Maintenant, ils sont fous, quoi. Je suis en bénéfice. Ah mais je suis fan, hein. Ça me rappelle mes années Zotikoun à l'époque, ouais. C'est comme les Sims mais avec des animaux. Oui, oui, en quelque sorte, Alexis, oui, oui. Ok. Donc attendez, le petit là. Ah bah c'est bon, ils vont bien. Je me suis débarrassé du petit. J'espère que j'ai touché de l'argent quand même sur le petit que j'ai envoyé là-bas. Alors. Rien en plus là. Non, t'as fait non. Ah. Je crois que j'ai pas le DLC. Y a des nouveaux animaux. Des facochères, je suppose. Comment je vois mes animaux? Là, c'est zoo, animaux. Non, il est encore là, Eduardo. Non, 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 il est encore là, Eduardo. Qualité de la nourriture, 80$. Oh putain. Ouais, bah c'est la plus basse. Il est dans le centre d'échange. Ah ouais, centre d'échange. Et donc là, je fais quoi? Je fais échange rapide? Merci, le secret nouveau, pour les 2 mois. Merci, merci à toi. Derrière ta tête. Zoopédie. Ouais, et après? Relâche dans nature. Relâche dans nature? Le faco? Mais pourquoi tu veux que je relâche mon faco cher? J'en ai que 2. J'ai Kalaji, Wapitim. Iguane. Et c'est où que je vois mes animaux? Je comprends pas, Malugo, je vais faire un massos. Mais c'est ce que je faisais, ça. Ils peuvent pas être relâchés en mode franchise. Non, je ne peux pas le relâcher en mode franchise. Je vais... Centre d'échange, c'est quoi? Il peut être acheté du coup, non? Change rapide. Je gagne quoi? Waouh! Quoi? Mais je vais faire un vrai business, mais je vais les vendre direct, les petits.
Attendez, mais il y a tellement de bif à se faire en faisant des enfants et en les vendant là. Le petit Eduardo, 658 $ comme ça? Mais attends, je peux pas vendre le daron sinon je garde Eduardo. Comme ça, il sera plus en forme. Le daron, il a déjà 6 ans, il a fait son temps, non? C'est pas mieux de vendre le daron et je garde Eduardo? En vrai, si je peux me faire de l'argent et comme ça, j'ai une nouvelle génération, il sera en place. Oui, bah, c'est des animaux. C'est business, hein. Ça vit longtemps, des iguanes. Ouais, mais bon, si je peux gagner 6 ans... Regarde, lui, la jauge, elle est en fin de vie pour le ref, hein. Bah, Luco, elle a quel âge? 4,3 ans. Et le daron, il a... 6,7 ans. En vrai, t'as fait ton temps, mon grand. Il est temps de rentrer, hein. Je l'envoie au centre d'échange. Et je vais ramener le bébé, là. Centre d'échange. Il est parti où, lui? Ah, merde. Vas-y, je ferai ça pour les prochains. C'est pas grave. Je ferai ça pour les prochains. Je crois que j'ai fait de la merde. Vas-y, je vais vendre Eduardo, c'est pas grave. Ok. La prochaine zone, du coup, ouais, je voulais faire un enclos comme ça. Ça fasse le tour de l'enclos. L'enclos, il passe là. Après, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je sais que c'est 600. Ah oui, bah dans 6K, c'est... Pourquoi comme bête, ça? Cool ondulé. Ah si, du coup, il y a le DLC, je crois. J'avais pas tout ça. Pas de recherche? Ah si, elle fait des recherches. J'allais péter les plombs, là. Oui, il y a un ballon, là. Ça fait le taf. 50 $ ici pour la propreté et la bouffe. Et 70 là-bas. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, deuxième enclos. Attendez, faut que je regarde du coup les animaux. J'ai envie d'un truc qui attire les gens pour les faire venir par là et qui passe par le vivarium. Les phoques. Ah putain. C'est le DLC aquatique là. Du coup, je l'ai, non? Mandrill. En vrai, je trouve les singes, c'est pas mal. Les singes, ça attire les gens, ils aiment bien. Tu sais, je mets ça près du coin bouffe, comme ça, c'est un peu drôle. Les singes, ils peuvent passer par-dessus, manger, tu sais, manger dans tes mains et tout, les petits singes, là. Les hippos et trucs aquatiques, je ferai un peu plus loin. Je ferai un peu plus loin, l'espace un peu impressionnant, comme ça. Ça, ou les ours. Et je trouve les singes, c'est stylé, près du coin où tu manges, c'est bien, t'sais, tu manges, tu peux les regarder, tu rigoles, t'sais, ils font des acrobaties, ils jouent. Je pense que je mets des singes là près du coin bouffe, c'est bon, je ne pourrais pas changer d'avis. Et après, je vais me faire un coin genre grizzly, comme ça il y a transition des grizzlies, comme ça il y aura un petit peu d'eau autour, je vais essayer de faire une rivière et tout. Je vais mettre des grizzlies, et près des grizzlies, je vais mettre les animaux aquatiques. Comme ça, ça fera la transition tranquillement. Ah merde.
les singes, mais il y a plein de types. Il y a les macaques. Mandrill. Bonobo. Chimpanzé. Non, je vais tout mettre et je vais voir après ce qui vaut le plus de coups. Gorille. Vous voyez bien les petits singes là. En soi, on peut mettre. En autant. On peut mettre plusieurs espèces ensemble, non? Ah, mon zoo, pour l'instant, il n'y a que des facochères. Vraiment, je pensais pas que ça allait marcher. Il y a quand même 171 de touristes, hein. Il n'y a pas grand chose. Ah putain, il n'y a que des mandrilles ou des macaques. Et les mandrilles, c'est les plus rentables. Hein. Ouais, mais il n'y a que des mannes. Faut que je prenne macaque et je prends une femelle et un mec. Hein, et un mâle. Le truc, c'est mandrilles, il n'y a, y a pas de boue. Il n'y a pas de meuf. La clôture, du coup, pour eux, c'est faut que ce soit fermé, non? Je vais mettre un grillage, du coup, les singes. Tu pars où? Cache pour les singes comme ça, je pense, c'est pas mal. Ça fait tout le long, tu vois un petit bout de là. Et comme ça, là, tu manges et tu vois le grillage, quoi. Tu les vois derrière. Je pense que c'est pas mal. Mettre la porte du coup, par là. Ah, après, ça va. Là, je pense que... On va pouvoir y aller, les soigneurs. Je suis en mode franchise. Et du coup, je vais mettre des bah, les macaques. Hein. Ah, mais macaques japonais, eux, il leur faut du froid, je pense. Non, il n'y a pas un bail bizarre. Ah, bah ouais, ah, bah ouais. Ah, je vais mettre des mandrines, mais j'ai que des mecs. Après, je pense que ça change, non? Ça, ça accélère. Ah non, ça, le temps, il est réel. Ah, parfois tu peux pas mettre plusieurs mâles. Ok, ok, faut que je lise. Ok. Estimation 30 ans. Hiérarchie dans les groupes de mâles. Ah putain, c'est bon à savoir. Du coup, pour les macaques.
Après, au pire, je mets les ma... Ouais, mais les macaques, j'ai pas envie, en fait. J'avais pas envie de faire une zone comme ça, là. Ah, je voyais un truc avec des petits singes et tout, là, mais... Je suis bloqué. Bah, je vais laisser l'enclos pour l'instant. Au moins c'est fait. Quoi, il y a les loups, il y a les hyènes. Ah, ousti. Murien. Les petits murs, ça peut être pas mal, non? Et les murs, ça peut être bien, non? Un visiteur VIP est rentré dans votre zoo? Lui. C'est qui lui? Prenez une main à base. Il y a base, il y a mon gars base, il est dans le... Recherche nourriture, ok. Y'a Baz qui est dans le zoo, qui est dans mon zoo. Oh. Attends, il se passe quoi là? Pas de vendeur? Attends, il a foutu la clé sur la porte. Sous la porte, il s'est barré, lui. Putain, la boutique de souvenirs, elle marche du feu de Dieu. Ils sont pas contents, les visiteurs. Il y a trop de monde, je vais aller ailleurs. Ah ouais, bah ouais. J'ai soif, putain. Ah, y a un truc de boisson à côté, idiot. Attends, ouais, là, il y a trop de queues. Il est en pause. Ben, j'ai pas l'impression, non? Après, oui, j'aurais eu un message si... Charge de travail élevée. Repose. Ah oui, se repose. J'envoie en formation, lui. Ben, j'ai recruté un vendeur encore comme ça, ils vont faire une rotation. Ils sont tous en charge de travail élevé, là. Ils sont en charge de travail élevé. Je vais recruter un vendeur, en vrai. Voilà. Ça va un peu les soulager, je pense. Un vendeur en plus. Comme ça, il y a l'autre qui est en formation en plus. Lui, il va remplacer. Je peux pas me permettre de laisser un commerce fermé comme ça. Là, je pense on est en train de gérer la crise. Il va bien, mon gars, Baz? Putain, Baz, il fait la queue, j'espère qu'il va pas péter les plombs. J'espère qu'il va pas vriller, Baz. Ils sont où, les autres lémuriens?
Lémur. J'ai foutu des lémuriens. Est-ce qu'ils aiment bien grimper et tout, faire des figures? Information. Bah, les visiteurs peuvent entrer dans l'habitat, mais non, du coup, j'ai fermé. Habitat naturel, biome tropical, Madagascar, Afrique. Vas-y, je pense que je vais m'en prendre. Ils peuvent rentrer dans la cage des lémuriens, mais comment je fais, moi, pour les faire rentrer? En soi, oui, je veux bien, mais... Rapport 3 sur 4, 3 sur 5. Propreté 5, éducation 0. Attends. Comment ça, éducation 0? Bien sûr, c'est trop important. Je mettrai plus tard. Elles sont stylées, les musiques. Mais putain, je peux mettre de la musique dans mon truc. Je vais mettre un peu d'ambiance. Vas-y, je vais commander mes lémuriens là. Ah, y a plus la femelle. Merde. Ah, j'ai trop attendu. Il est où, boss? Vas-y. Il sort des chiottes. En vrai, l'invité VIP, là, il a kiffé. Putain. Bon, taille, longévité. Ouais, mais elle est en mauvaise santé. Je peux pas la prendre. Je peux pas me permettre de la prendre. Elle est en mauvaise santé. Elle va me claquer entre les doigts. Attends, il y a quoi comme autre... Il y a des lémuriens, du coup moi je voulais des petits singes, sinon des ouistiti ou je sais pas ce qu'il peut y avoir. C'est vrai, je peux pas mettre des macaques japonais ici, je peux pas mettre de la neige. Barirou. Vas-y, vas-y, je vais prendre ça. Je vais en prendre un qui va bien. Oui, il a l'air bien, hein. Fertilité 50%, 46%, 42% de taille, ça je sais pas ce que c'est la taille. Ah, il est pas mal résistant lui, vas-y je vais prendre lui je pense. La note en train de monter. Marketing, éducation des visiteurs, ça monte un petit peu l'éducation. Ouais, faut que je pense à former mes employés. Là, il y en a un qui est parti en formation. Bah, c'est bon, il est déjà formé. Okay.
Bah, c'est bien. Problème d'énergie, charge de travail élevée. Je vais les envoyer en formation un par un, eux. Rien n'est trop faible. Oh putain, attends. Je vais mettre pause. Je passe son enclos lui avant de laisser paye. Aïe. C'est bon. Oh ouais, miskine. Ouah, mais l'enclos il est trop grand pour le lémurien. Il lui faut plus de terre et de l'herbe courte. Qu'on fait déborder. Voilà, bon, la terre, il est content là. Je vais lui rajouter un peu d'herbe courte. Sur les bords. Les roches un peu, c'est quoi ça? Je fais un petit truc comme ça, j'ai rajouté un peu de texture. Un truc comme ça. Lui, il faut un abri. Mais des liens et tout. Oui, je vais tout mettre, vous inquiétez pas. Occupation, arbre et plante. Un filtre, mais juste tropical. Comment elle marche, les lianes? Ça marche, Hélène. On peut les relier à des trucs, non? Une escalade, enfin. Donc, du coup, il faudrait déjà lui mettre un arbre. Un ou deux arbres, des trucs vraiment assez massifs.
mal, je pense. Mettre deux arbres comme ça. Est-ce que je peux les relier? Ah, je vais peut-être mettre des baobabs, vous avez raison. Ah bah non, mais j'ai mis... Non, non, non. J'ai mis Tropical, donc il n'y aura pas de baobab, je pense. Attends, elle est bizarre, cette lionne. Quel type de lionne qui ont Y? Je vais mettre ça et comme ça je vais lancer un. Des lémuriens. Ah putain, oui, il y a le problème de température. C'est quoi de ce qu'il faut? Origine, environnement. Ah, lui, il faut du monde de toute façon. Putain, zone insuffisante! Merde, l'espace il est léger, hein! L'espace est peut-être un peu trop petit. J'ai pas envie de remettre des abris comme ça à tous, ils sont trop moches. Ou sinon faut que je les fasse moi-même quoi, mais bon. Ah j'attends. J'attends qu'il fasse jour, on verra mieux. Il s'est échappé, wesh! Enfin, en plus, son bien-être, il est pas bon. Ça pour mettre le jour. Mais putain, mais il peut escalader. Mais je peux la fermer, la grille, ou pas? Fermer le dessus? Ah oui, anti-escalade. Là, c'est bon, hein. Putain, l'idiot. Passe sur les infos d'animal dans Habitat. Regarde les murs qu'il faut pour lui. Oh non. Je l'ai vu escalader. J'ai fait, mais attends, il y a un problème, là. Des infos d'animal dans l'habitat, regarde. Anti-escalade niveau 1, plus de 1m25, haut, plus de 3 mètres de large et plus de 1 mètre de profondeur. Il faut de l'eau aussi. Attends, je vais laisser déjà des chances. Oh. Qu'est-ce qui se passe?
wesh, pourquoi il y a une manif? Mais putain! Mais c'est le début des problèmes. Alors attends, je vais m'occuper de lui. Pourquoi il y a des manifestants qui sont rentrés? Merde! Attends, mais c'est le bordel là! Je vais lui reprendre un lémurien. Oh putain, let's go, il y a une femelle. Prendre quelqu'un de fertile à fond. Je vais prendre un autre bout. En mauvais sens. Je vais prendre une deuxième femelle. Elle est ok, hein. Quand je vais m'occuper, je vais envoyer la sécurité. J'ai envoyé la sécurité pour s'occuper de leur cas aux deux autres là, enfin aux autres là. J'ai pas de tigre, j'ai pas de singe, j'ai pas d'éléphant, j'ai pas de girafe. Il est où le problème? Ah putain, il manifeste pour le petit. Ah, il manifeste pour l'animal qui s'est enfui. C'est bon, wesh, il va bien, on l'a récupéré, c'était le temps de... Ah, c'est pour lui qui manifeste, ça va faire une mauvaise pub dans mon zoo, hein. Ouais, c'est en fonction du bien-être. Merde. Arbre, ça... Les arbres, je sais pas. Oh non, c'est trop bas. Je te lui plais pas. Pas du même environnement que l'animal. Bah, je sais pas ce qu'il lui faut là, j'ai cliqué sur le truc. Les filtres, mais j'ai mis les filtres. Regarde, j'ai cliqué là sur son filtre tropical et Afrique. Là, il y a tous les filtres. Ah, et là, c'est bon. Là, c'est bon, les filtres sont bons. My bad, c'est my bad. Vrille, petit couteau. Ah, l'arbre, il est pas de... Non, il est trop grand. Il y a des arbres un peu plus petits pour eux, quand même. Monter, s'amuser, mais pas trop non plus, quoi. Je vais remettre aussi leur... ouais. Leur abri. Ils vont être... Non. Un couchage au sol? Non, je crois qu'il faut un abri solide. Ça dépasse un tout petit peu. Voilà. Je crois que l'enclos il est trop petit là. Ouais, t'as raison, je crois que l'enclos il est trop petit. Je vais juste voir déjà.
tu peux faire des rampes et faire un parcours et tout. Ah, ça, j'aime bien. En vrai, je vais leur faire ça ici. Je vais juste leur faire le coin bouffe et abreu. C'est où les croquettes? Abreuvoir, chauffage. Il mange pas? Attends, merci Alex. Attends. Hop, ça dégage. Merci Alex. Ça sera trop petit pour, comme enclos. Je vais voir pour agrandir. Hein. Et, hein, ils leur font un truc plus gros. Bon, le bien-être monte. Ils ont fini. Arrêtez, wesh, la sécurité peut pas les virer. Putain, c'est ma première crise. Il faut déjouer. Elles arrivent, les deux femelles? Non, c'est transaction. Placement vers l'habitat. Donc normalement ça c'est bon. Des oui, mais il y a des oui, il y a des manifestants. Arroseur automatique, c'est un jouet ça? Non, c'est pas un jouet. J'arrive pas à voir si c'est un jouet ou pas ça. Ah ça va être un enfer à faire, je pense, hein. Non, c'est dommage, il devrait y avoir un mode simple pour ça. Peut-être que je place pas le bon objet. C'est pour ça qu'on prend des trucs tout feu au début. Attends, mais comment on fait? T'en as déjà construites? Ah bah oui, mais je veux alors. Oui, je veux, mais c'est où? Oui, non, mais moi je veux les trucs déjà construits, hein, bien évidemment, mais il n'y a pas. Ah, c'est workshop. Et faut aller où en gros? Enfin, faut faire quoi? Ah ouais, non, je fais pas à la main. Hein. Ben, je veux mettre des jeux pour les singes, là, des structures pour qu'ils grimpent et tout. Non, il n'y en a pas direct dans le jeu. Ah, bien vu pour la technique. Oh merde.
Pêche. Vous avez entendu le dérapage tardé ouf là? Vas-y, vas-y, attends, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Bah, j'espère juste que les singes vont pouvoir monter dessus quand même. Ouais, il y a eu un dérapage de ouf là. Ah là, c'était obligé que vous l'ayez entendu. Je sais, j'ai jamais entendu ça. Bon, non, j'abuse peut-être, mais. Ah, je peux pas dupliquer. Ça, c'est un bordel à bien mettre. Pas comment ça tient par contre. Merci Gryffindor. Merci pour le prime, bienvenue. Il est tout seul dans l'enclos. Non, 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 j'ai rajouté deux femelles là. Il est où le truc là? Oh merde. Le workshop sera, ça sera les plus vite. Hein. C'est un peu parce que j'ai eu la flemme. J'avoue que. Vas-y, comme ça, c'est pas mal. Deux troncs là. Non. Je vais refoutre ça. Et après, je pense qu'on est bon pour ça. Non, mais la caméra, elle est, c'est horrible. Ça et je vais mettre des bâtons là. Quatre mètres, 6 mètres. Défie les lois de la gravité en faisant ça. Mais bon. Mon Dieu. Ça se voit que ça tient pas debout.
Le soleil déborde. Ouais, non, c'est trop. Vas-y. Un lieu d'eau pour eux. Je sais pas s'ils ont besoin d'eau. Mettre un arroseur automatique aussi. Voilà, là ça va être l'espace de jeu. Ok. Bah ça c'est bon, il aurait juste à graille. Mais j'ai pas de nourriture. Abreuvoir, chauffage, conduite d'eau, abreuvoir, abreuvoir. Attends, les gagnants pour les lions du coup, pour les lions, pour les noms. On a Martinus. Martinus, nous avons l'arrivée du coup de Catwoman. Le troisième qui arrive. Ah mais les gens, ouais, mais ils gênent en vrai, faut pas aller là. C'était pas le but qu'ils aillent par là pour... pour voir les Lémuriens. J'ai deux lémuriens par contre. Le troisième, je sais pas où il est passé, mais je crois que ça me l'a pas acheté. Terrain, c'est pourtant bon. Zone d'escalade empruntable, ça c'est bon. N'a pas besoin de se baigner pour son bien-être. Non, mais du coup, c'est bon. Optimisation alimentaire de l'espèce, c'est quoi ça? Ah mais je pense j'ai pas encore tout ça. Ah si, j'ai le troisième. Le troisième du coup c'est Mills. Hop. Merci Céane pour le prime, bienvenue. Merci à toi. Wapi Team va s'accoupler. Mais non, Wapi Team. Malugo et un petit putain encore, wesh. Attends, mais... Je suis obligé de dégager le petit parce qu'ils vont pas bien. Je vais castrer, mais après c'est beaucoup d'argent pour le bébé à chaque fois. Juanita. Animaux, animaux... Animaux, Juanita, désolé, mais tu vas y aller. 658. Ah la vache. Il graille. Attends, mais du coup, mais les Lémuriens, ils mangent pas? Ah, ils ont pu monter, nice. Ils peuvent monter et jouer, par contre, ils ont pas à manger. Ah mais c'est pas un endroit pour eux, pour aller voir les animaux d'ici, putain. Ouais, bah ils se bloquent. Ils vont dire que c'est pas pratique. Pourquoi est-ce qu'ils manifestent? Ah.
Ok, et par contre, éducation, c'est très important. Faut que j'en mette un peu plus. Faut que j'en mette un peu plus d'éducation. Quoi le gradin en gros? Je sais pas à quoi ça sert le gradin. Webcam d'habitat. Vais mettre ça là. Pas mal. Pas mal, pas mal. Gradin pour spectacle aquatique. En fait, à la base, c'était ça que je voulais. Vas-y, je vais lui faire arrêter ça. Un visiteur VIP. Arrête ce que tu fais. Fais les recherches sur les lémuriens. Ok, c'est qui le VIP? Oh. Seven. Ok. Yo mon gars. Allez, je te check. Profite de la visite. Je vais faire une gestion un peu du personnel là. Putain, ils sont tous chargés. Pas en formation. Je vais recruter du personnel. Agent nettoyage, déjà, je pense qu'il m'en faut deux. Ouais, voilà. Un deuxième agent d'entretien. Il me faut un deuxième... un vendeur en plus. En vrai, j'ai trop. Les vendeurs, ils sont débordés. Là. Ah, vétérinaire, mais eux, je peux pas en mettre deux, c'est bon. Vétérinaire, soigneur, vous êtes débordés, ça va, y'a rien, y a 5 animaux dans le zoo, faut arrêter. Hein. Eux, je peux pas augmenter le nombre, c'est pas possible. Ok, je pense que je vais devoir faire une autre zone de travail bientôt. Ah la vache, il y a du monde là, il y a 236 personnes dans le zoo. Ça marche bien les lémuriens, mais par contre putain c'est pas pratique. C'est pas comme prévu, je voulais moi qu'ils aillent là. En gros, j'ai trouvé quoi? Hot Dog Squad et Pizza Pen. Restaurant 15 000. Attends, mais je fais comment là du coup pour mettre les pizzas et tout là que j'ai trouvé? Je continue la route ici de toute façon. Je vais remettre une télé là.
je vais mettre éducatif à fond, hein. Faut qu'on leur apprenne. Là, je vais mettre... Ah bien, j'ai mis un point d'observation, ça c'est pas mal. Service. Sport et médias d'éducation. Haut-parleur pédagogique. Ah, peut-être que là, comme ça, il s'est installé, ça va expliquer et tout. Bon, on a 260 personnes. Le zoo commence à... à faire parler de lui. Les agents d'entretien, il y en a deux. Comme ça, ils sont un peu moins débordés. À 140$, ouais, là-bas, le vivarium, ça marche pas trop. Hein. 3700, les lémuriens, putain. Oh, c'est la nouvelle star du parc. Hein. Je suis à 15K. Okay, je pense qu'il est temps, il est temps de faire les grizzlies. Là, je vais faire les grizzlies. Quoi ça? Habitat des clôtures abîmées? Mécanicien, ils servent à ça. Putain, mais c'est vrai que j'avais mécanicien pour faire les recherches, mais. Catwoman va s'accoupler? Wesh! Non. Et en fait, des fois, ils me préviennent juste quand les animaux s'accouplent. Parce que tout à l'heure, ils m'ont dit que les sangliers, là, les facochères, ils s'accouplaient. Ils se sont accouplés, mais il n'y a pas eu de petits. Hein. Ah, c'est une affaire qui roule, là. C'est bon, ça va, ok. Bah, j'ai mes sangliers qui sont accouplés. Au moins, on le sait maintenant. Non, là, je vais mettre les loups. Les loups, et après, je mets des grizzlies. Merde, attends, c'est quoi la touche?
Attendez, j'ai réfléchi à un truc là. Peut-être j'ai envie de faire des loups, mais en dessous. Genre là, je veux creuser un peu. Creuser et faire là le truc des loups. Et en mode on fait le truc des loups et nous on passe par-dessus. Et là il y aura les girafes. Et ici là il y aura les girafes et du coup on pourra les voir par-dessus. Ça c'est pas mal. Que je fasse un autre coin restauration et tout là. Enfin, faut que je fasse un vrai restaurant. Il y a encore un VIP qui vient ? C'est actuel ? Mais non, il y a mon gars actuel qui vient visiter ! Mais non, il y a mon gars actuel dans le zoo. Et c'est le 300e visiteur. Viens, visite mon grand, visite, il y a plein de choses à voir là. Tu ne seras pas déçu. Putain, on a un invité de marque, c'est pas n'importe qui là qui nous fait l'honneur d'être là. Du coup, attendez, je vais mettre des loups là. Yes, loup. Loup gris. Loup gris. Oh putain, mais il est en mauvais sens. Je vais prendre vraiment le top du top en animaux, hein. Je vais pas me prendre la tête. Et ben, je vais prendre le mâle là. Une femelle. C'est quoi juste? Ah, ils vivent dans la neige. À 5 petits par portée, 2 mois. Relation avec les humains, confiant. Monogamie, système de reproduction, domination, mâle alpha, femelle alpha. Pour la cage. Niveau 2, plus de 1,25 mètres. Entrée habitat bois. Mais comment ça niveau 2? Non, je vais mettre un truc en bois, je pense. Du coup, je vais creuser avant. Loup, il en faut plein? Ok.
je suis repassé loin en dessous de ça en gros. Ok. Est-ce que c'est possible de tout aplatir? Là, c'est tout au même niveau, hein. Avec ça, je choisis la taille, en fait, non? Ah non. Aux fondations, quelle fondation? Ouais, il est pas très profond le trou. Vas-y, bah je vais laisser comme ça. Merci Cornandon pour les 7 mois. Waouh, wow, ça fait le slogan. J'ai pas chanté, mais merci. Merci à toi Cornandon. Pour le soutien, pour les 7 mois. Merci énormément. Merci à toi Cornandon. J'ai peur que mes loups s'enfuient. J'ai peur que là, genre là, mes loups s'enfuient. Ça fait un mètre. Ouais, il faudrait que je rajoute. Putain, ils disent ça... Oh là là là. Le problème, c'est que là-bas, ça fait un mètre. Là-bas, ça fait un mètre, les loups, ils s'enfuient. Hein. Merci, Wissitman, pour les 10 mois. Merci à toi. Je peux lisser les textures moches, je crois. Ah bah, je veux bien, oui. Des herbes là. Payé. Ok, c'est bon, plus de peur que de mal. Ok, plus de peur que de mal. Je vais mettre des loups dans un si petit enclos. Oui, non. Bonne soirée Wondermaiko. Non, j'ai oublié hier, désolé. J'ai oublié hier. Mais si tu m'as envoyé sur Discord, du coup, faut, bah, je vais voir la notif et je vais checker ça. Mais à la prochaine. À la prochaine, bon week-end. Et puis on se revoit très vite.
lundi ou dans la semaine. À plus on a un écho. T'entends déjà les émeutes pour les loups ici. Ouais, attends. Je dois agrandir le truc. Pardon. Fais-le sous le pont. Mais en fait, ici, moi, je voulais mettre un enclos, mais plus haut. Avec, avec des girafes. Un lac sous le pont. Attends, ça je peux le retirer ou pas? Ouais, c'est peut-être petit pour des loups. Je sais pas comment on le supprime. Ok, je me suis rendu compte de ma bêtise, c'est bon. Ah, je suis dégoûté. Ah putain. Non, je suis d'accord, mais je veux juste qu'on me dise comment retirer l'enclos. Ah, mais je crois que c'est pas en fait. Ça, du coup, on va faire mieux. On va faire mieux. Par contre, pour faire un truc... Je fais quoi après pour que ce soit vraiment plat ici? Oh, quoique, j'aime bien là. C'est bien assez profond. Et je fais comment pour rendre le truc plat là au fond? J'avais mis aplanir jusqu'aux fondations, mais c'était pas ça. Mais c'est jusqu'aux fondations. Regarde, ça va le monter. Non, c'est bon. Ah, what the fuck. Eh, tout à l'heure, c'était pas aussi profond. Ok, bon bah, c'est bon, là. Là, c'est satisfaisant quand c'est comme ça. Là, j'aime bien.
Fais-leur une grotte? Ça marche, les grottes? Mais là, en fait, j'ai même pas besoin de mettre de barrière, non? J'ai même pas besoin de mettre de barrière, là, ils sont bien. On va faire un coin d'eau par là, je pense. Mettre de l'eau comme ça, je pense. Ok. Clôture. Donc, je voulais mettre mes clôtures en bois. On va réduire. Ok, là le vivarium, au moins ce qui est bien, c'est que les gens pourront ils s'y rendront, je pense, parce qu'il y a les loups aussi qui sont accessibles depuis le vivarium, donc... Ouais, j'avoue, juste des clôtures en haut. En fait, ça dépend ce que je veux. Mais oui, je mets des clôtures en haut, je suis fou, moi. Oui, je suis en ouf. Là, ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent sauter dans l'enclos. Oui, je vais mettre en haut et je vais mettre des vitres. Mais des invisibles, c'est gratis. C'est quoi ça? Non, non, non. C'est pas roleplay. Non, ça, c'est pas réel. Un mur invisible, et puis quoi encore? Mais si, mais si! Définissez le périmètre d'un habitat. Une clôture n'est pas nécessaire. Par exemple, un fleuve pour les animaux qui ne savent pas nager. Comment ça, je délimite un espace? Écoute là. Ben oui, j'ai écouté. Elle m'a dit invisible. J'ai pas envie de mettre invisible. Voilà. Je n'ai pas envie. Je pense qu'un mur en verre, c'est bien plus stylé. Là, tu viens, t'as un mur en verre comme ça, boum, grand mur en verre, et tu vois l'enclos des loups en dessous, c'est stylé. Et après, si tu veux mieux les voir, tu peux être au-dessus. Hein. Le problème, c'est qu'il y a ça là.
Il y a la rampe, je sais pas comment finir ma vie, ma barrière. Attends, du coup je mets barrière invisible en bas? Parce que sinon là mon truc en vert là je peux pas faire le tour. Monsieur le directeur, le bruit court qu'il n'y a pas de barrière pour assurer la sécurité des visiteurs du parc près de l'enclos des loups. Répondez-vous ces rumeurs. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Madame Kaliana. Il n'y a pas encore de loups dans ce zoo. Il y a juste un terrain vague avec un lac. Rien de dangereux pour les visiteurs. Le mur invisible, si je le mets en bas. Pour que les loups sortent pas. Je sais pas où le placer en fait, le mur invisible. Je pense que le mieux c'est de le mettre en bas. En gros, si tu mets en face, ça va être la merde. Ok, explique-moi pourquoi, Maluko, au lieu de t'énerver. Explique-moi juste pourquoi. Oui, mais pourquoi? En bas. Et sortir les loups. Mais non, en bas, ils peuvent pas passer. En gros, ça va t'afficher qu'il s'échappe alors que non. Ah, merci Mini Wabbit. Voilà. Là, on me dit de faire un truc, on m'explique. Invisible en haut, et ensuite tu mets du vert à la place là où tu as envie. La barrière invisible, c'est juste pour que le jeu comprenne que tu as fait un enclos. Ça définit comme ça. Ok, merci. Et du coup, là, par exemple, les touristes peuvent passer quand même. On est d'accord. Ah ouais, j'ai oublié les soigneurs, putain. Comment ils vont faire pour descendre ceux-là? Ah ouais, j'ai pas pensé aux soigneurs. Ils plongent dans l'eau. Ouais, mais ils sautent avec les loups, après ils remontent plus, hein. Dézoome encore plus. Un autre cours.
Alors, ça c'est bon, mais maintenant. Faut que je fasse une entrée pour les autres là. Une descente pour les... pour les chercheurs. Hein. Je pense que je vais mettre leur, leur coin ici. Je vais faire un deuxième coin. Soigneur. Les files d'attente, c'est pas ce que je dois faire devant les restos? Je sais pas comment faire. Escalier avec porte sécurisée. Comment on fait ça? C'est bon, ils rentrent là, ils jettent les caisses avec les loups. Et s'il faut les soigner, bon courage. Mais juste ça. Ah mais ça gâche le truc. Hein. Ça gâche le truc. Vas-y, en vrai, attends. Je vais mettre la porte là plutôt. Je vais la mettre là, l'entrée plutôt. Et je vais. C'est profond ici. Ah non, ça gâche trop. Ouais, le mieux c'est l'entrée soigneur sous le pont. Hein. D'accord, mais le problème c'est que je voulais faire un autre enclos ici. Genre je voulais que d'un côté du pont il y ait ça. Et de l'autre côté, là, il y a un enclos bien plus haut. C'est pour ça, en vrai, je... Bon, à la limite, je fais l'entrée par là, quoi. Ouais, mais un tunnel, je sais pas comment faire un tunnel, moi. Je sais pas comment faire un tunnel.
j'abandonne ça. Laisse un petit espace entre les deux enclos, comme ça tu peux faire deux portes parallèles pour les... Ouais, c'est vrai, je peux toujours le faire là, l'enclos. Ouais, c'est pas con, en vrai. C'est pas con. Du coup, je peux faire une entrée là. Oui, 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 c'est... je pense que c'est mieux. Non, pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Parfait. Là, il peut y aller ou... Je crois que c'est bon, j'ai pas besoin de faire d'escalier, hein. Ah, c'est bon, j'ai mis une petite porte, une petite pente. Je pense que le ref, il peut descendre. Ok, là, est-ce que... Enfin, pourquoi j'ai toujours mon problème de vitre que je ne peux pas placer? Ah merde, je sais pas. Là ça marche. Mais du coup la porte elle tient dans le vide, là c'est moche. Quoi? Pas de salle de personnel? Fidèle. Ça suffit comme ça, j'ai besoin de me reposer. Oh putain, il a bout de force. Attends, il a quoi? Pas de salle du... La salle du personnel, elle est pleine? Ah ouais, putain, la salle du personnel est pleine. Bah, il me faut une autre salle du personnel, il faut d'autres trucs, là. De toute façon, faut que j'agrandisse. Mais c'est fou déjà le bordel dans le zoo et j'ai que... Bah, j'ai deux enclos. J'ai deux enclos et ça m'a pris trop de temps et c'est super... super dur. Dans le mauvais sens. Dans le sens là?
Bah tiens, là, je vais faire un nouveau coin personnel. Bonne idée, ça, je vais faire un coin personnel. Ça, c'est nickel. Ça, c'est sous le pont. Service. Locaux personnels, je vais leur foutre une salle de pause. Salle de pause toute neuve. Je vais me prendre. La bonne de soigneur en vrai. La bonne de soigneur, je vais la mettre en dessous. Voilà, ça prend pas de place. Ok. La porte du coup pour entrer dans l'enclos quand même. Bon sens, il me propose que le mauvais sens. Rejoki, oui, tout le monde va bien, les animaux sont en bonne santé pour l'instant. Là, la porte elle est bien comme ça, hein. Et le truc c'est que je peux rien faire, quoi. Enlève ton allée. Oh, toute l'allée là. J'ai voulu faire un truc en relief, je débute. Voilà. Là, je mets la porte. La barrière. Ah d'accord.
Ok. Ok, et ça comme ça. Et comme ça, là, je mets le deuxième enclos avec les girafes et tout. On verra plus tard pour ça. Bon, le problème est le même, là, ils peuvent pas descendre. Ils peuvent descendre ou pas? Ah, là, c'est bien. Oh, elle est belle, ma petite pente naturelle, là. Là, c'est une belle pente. Ok. Bon. Mais nous. Oh, merde, du coup, attends, ça doit plus être... je dois plus avoir des bons bouts. Ah, il y a que des mâles. Je vais en prendre deux, déjà. Deuxième personnel à info du monde. Attends. Mais le mécanicien, il est occupé de quoi, wesh? Oh là, le genre de sécu, il est fatigué. Ah ouais, c'est celui qui était crevé de ouf. Charge de travail faible, par contre. Mais les vendeurs, attends, mais j'ai 6 vendeurs, ils sont tous débordés là? Enfin, pars en formation, toi. Électricité. Électricité. Traitement des eaux. Oh putain. En soi, ça... Ah, je vais... Vas-y, je vais bouffer un peu de zone, mais bon, c'est pas grave. Mettre ça. Là, j'en joue. Putain, c'est moche. Faut que tu mettes des clôtures là où les loups peuvent accéder.
Je peux pas mettre de mur là. C'est trop près du bord, je crois. Enfin, du chemin. C'est relou parce qu'il y a les loups qui sont près d'ici. Non, je vais retirer le chemin. Et allez. Ok. Ah, tu mets des gros cailloux pour bloquer l'accès au côté, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. J'en parle tout là ? Tout autour, quoi. De toute façon, là, faut qu'il m'emmène les loups. Ah, ils vont s'accoupler encore les lémuriens. Ah, bah voilà. Mims et Gestante. Mon gars actuel qui visite, là, il dit quoi? Recherche vétérinaire terminée. Ah oui, à cause de la zone de travail. Mais là, de toute façon, il me faut des nouveaux soigneurs. Là, je pense que je vais recruter du nouveau personnel. Un autre vétérinaire. Je vais faire une nouvelle zone de travail, nouveau vétérinaire et tout. Hein. Un nouveau vétérinaire, un nouveau soigneur. Le mécanicien, il commence à me saouler, là, à être crevé. Il y a rien. Charge de travail élevée, il a juste des recherches. Il est payé 1100. Je suis désolé, tu te débrouilles. Dis, Malu, elle a des strats stylées. Ah ouais, le mécano, il s'occupe des barrières quand même. Un gros caillou là? Ok, bon, j'ai sous-estimé le métier de mécano. Ah putain, bah du coup, vas-y, je vais recruter un nouveau mécanicien aussi alors. Zone de travail. Entrée, nouvelle zone. Zone 2 pour l'instant, je sais pas comment ça va. Ok. Bon, j'ai ma nouvelle zone de travail avec mes nouveaux techniciens. Ouh, il me fait peur.
L'enclos avec le loup me fait super peur là. La net 56%. Ah merde, mais je pensais qu'il voulait de la neige, moi, le loup. Il y avait de la neige sur la photo. Il y a trop d'herbe longue pour lui. Ah si, il me faut une zone de quarantaine. Ah oh, ouais, non, 4000 balles, non, je vais garder l'autre. Quoique. Allez, ils ont. Taxe, zone de travail. Modifier. Bon, toi, mon petit loup, là. Je vais lui mettre de la neige, hein. Faut mettre la... Ouais, faut mettre la clim, c'est ça. Filtre, espèce, loup. Et 7 ventilateurs. Ça, je pense que c'est bon. Besoin de moins de roches. Je sais pas ce que je mets comme température, moi. Non, lui, déjà, il faut quoi comme température? J'ai pas envie de le tuer. Pas. Et j'ai remis 0 degré. Du coup, c'est moche avec les ventilateurs. C'est pas écolo, quoi. Hein. Bon, au moins, voilà, il a sa neige. Encore trop d'herbe blanc. Je vais rajouter un petit peu de terre.
Oh, ça doit être bien là. Merci Valeno pour les 100 bits. Bon, c'est dit, et nous sommes scandalisés de voir qu'en 5 années de bons et loyaux services, il n'y a pas une seule fois des hausses des salaires. Nous aimerons que le point d'indice ne soit plus gelé et avec tous les bénéfices qu'engrange le zoo, nous finissons par nous poser une question. Profitez-vous de ces bénéfices pour vous en mettre plein les poches alors que vos employés priment pour même pas un SMIC. Je comprends votre plainte, mais vous le savez, quand je vous ai recruté, c'était en connaissance de cause. Le zoo vient d'ouvrir. Je vous ai donc... Je vous ai rien caché. Voilà, je vous ai déjà proposé dès le début des salaires bas en vous promettant une augmentation après 3 ans. Voilà. Le temps de laisser le zoo se développer. Ce n'est pas encore le cas. Voilà, on en est qu'à la 5e année. 10 ans. Pas avant 10 ans. Oui, ça passe vite, déjà 5 ans. Le temps, du coup, de laisser le zoo prendre ses marques. Voilà. Mais vous serez bien évidemment payé. Je ne suis pas un charlatan. D'air blonde là. Voilà, c'est bon. Parfait. Parfait pour l'environnement. Je vais faire leur cabane ici, je crois. Là, il est content. Poser la deuxième louve. Il fait trempette, ce petit père. Avant de faire des bêtises, je vais envoyer mes vétérinaires. Pourquoi elle va pas bien, Malugo? Les deux là non plus, ils vont pas bien. Après, ils sont âgés, hein. J'ai des animaux qui vont bientôt canner. Vas-y, en vrai, attends. Toi, tu vas partir 50 balles. Et toi, je te rajoute 50 balles. Voilà, allez, l'augmentation, ça fait longtemps que t'es là. Et toi, pareil. T'es pas content? Tiens, bah, je te baisse ton salaire et toi, je te monte. Voilà. Voyez? Ça finit par payer, hein. Ah, les anciens méritent une augmentation de salaire, les nouveaux. Ah, tu prends 1050, toi. Donne tes 50 à Élise. Et ben, ok. Ah, mais eux, ils sont tous crevés, putain. Oh là là là. Charge de travail élevée, et encore, faut que je fasse d'autres restos. En formation. Ils me font un formateur dans mon parc, j'ai pas de formateur. Je sais pas à quoi il sert lui. Tiens, je te recrute. Oh non, mais il sert à quoi? Non, le formateur, je lui mets pas de zone de travail. Il va un peu partout. Il y a déjà des gens qui regardent les loups. Putain, j'ai oublié de mettre le truc de don. Ne pas oublier. Ben, si vous aimez le spectacle... Ah
Putain, attends, le chemin là, je crois que je vais le retirer. Je vais le retirer pour mettre du verre ici. Ah, longueur 5 mètres, je vais mettre 6 mètres. 7 mètres. Voilà, et ici, je vais mettre 1. Pas. C'est la dame qui gêne. C'était risqué, ça a laissé l'enclos ouvert quelques secondes. À tout moment, les loups, ils pètent les ponts, ils se cassent. Hein. Obstruction. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire le chemin. Nageur de fou furieux. Ah mais c'est parce qu'en dessous c'est creusé. Là, ça va rentrer, je suis sûr. Oui, l'enclos, vous inquiétez pas, hein, je vais le remplir, je vais le remplir. J'essaie de tout faire. Ah, voilà. Let's go! Donc ça c'est long, c'est bon pardon, mes petits loups. Oh, d'air blanc encore. Hein? Habitat. Quoi ça? Ça, je pense pas que ce soit pour eux. Bloc de glace. Je vais leur faire une cabane avec des cailloux, on m'a dit tout à l'heure, du coup.
lance pas dans les cailloux? Les enclos en bois recouverts de cailloux, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, je vais faire ça. C'est bon. Là, c'est bien. Mais pourquoi j'ai pas de graille encore pour eux? Petit abreuvoir, grand abreuvoir, mais attends. Mais il mange quoi du coup? Mettre ça pour jouer? C'est des bouts de viande. Ah mais c'est les soigneurs qui donnent. Ok. Ah mais non, mangeoire, j'avais pas vu. J'avais pas vu mangeoire. Mettre ça là-bas. Ouais mais non, mais c'est trop triste. Je crois qu'il me faut le workshop. T'as des trucs pas mal en plus parce que là je suis trop limité. Enfin, il y a ça, après je peux mettre des cailloux mais bon c'est tellement dur à placer et faire un truc stylé avec que... Ah, mes petits loups là. C'est un peu tristoun leur cabane. J'ai envie de leur faire une grotte, faire des trucs de ouf, mais c'est du... J'ai peur qu'ils montent sur les rochers aussi. Et si je peux cacher les trucs de clim avec des petits bouts de rochers par-ci par-là, en vrai ça me va.
Leur faut des arbres ou pas? Ok, mais il faut, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du nombre de plantes. Non, il y a deux loups, il y a un couple. Après, je vais voir pour en rajouter, je pense, plus tard. Non, je vais faire tourner le business, voir ce que ça donne. Comme ça pour l'instant. Ah, ou des sapins à la limite, ouais, pas bête. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. Alors là, il faut pas me le dire deux fois. Le prix du billet est bon marché? Satisfaction des visiteurs, presque 5 étoiles. Hein. Marketing 0. Note de l'animal 2,5. Ah ouais, mais c'est 3$ adultes. 10$ adultes, 5$ enfants. Enfants. Allez, boum. Bon marché qu'ils m'ont dit. Allez, hop. Quoi, 3 le prix de prix adulte? C'est bon, 3$ l'entrée, il n'y avait que des facochères, maintenant il y a des loups et tout. Respectez. Je vais investir dans un resto, je pense. Là, ça, je vais le faire redescendre. Non, là, il y a les girafes. Enfin, il y aura l'enclos avec les girafes. On va voir comment les affaires se portent. Quoi. On voit que l'argent descend. La cochère va s'accoupler. C'est bien. Après, c'est bien. Comme ça, j'aurai de plus en plus de bêtes aussi dans mes enclos. Ils ont... Il a accouché, lui, ou pas? Mills? Ah, mais non, c'est... Non. Non, là, il y a personne qui a accouché. Maligol, elle veut pas faire un enfant. Là, il me faudra un peu de bif. J'ai 14 500, il me faut un autre resto là. Je vais retirer ça, je vais mettre un vrai restaurant. J'ai 15 000. Je vais dépenser toutes mes ressources, pour, enfin toutes mes économies pour mettre un restaurant. Ah merde, c'est deux loups mâles. De nombreux visiteurs pensent que le prix est trop cher. Et c'est le prix du... Et je me suis senti un petit peu trop frais. Et attends, on a Mathilde pour les loups là? Vu un jeu du winner, je crois que c'est ça. Non? On retire. Il pense que c'est encore trop cher là? C'est 5. Le prix? Ah mais en fait moi c'était à 3 balles hein. J'étais vraiment, c'était donné.
Ok, bah vas-y, je vais laisser 10 et 5, hein. Ils vont payer. Et dire que déjà... Ah, mais par contre, là, c'est en chute libre, le nombre de visiteurs. Hein. Pourquoi personne paye pour les loups? Oh non, les anacondas ont eu des petits. Ah mais eux ils sont bien quand même, même avec le petit en plus. Animaux. Oh putain. Bon, Margarita est née. Mais ils sentent bien. On peut la garder. Ah! Ils ont accouché aussi du petit Mihaja. Ok. Ah bah oui, les nouveau-nés, par contre, ça va attirer du monde. Alors ça, oui, oui, c'est vrai que je peux les revendre, mais je peux les garder aussi. Échange d'animaux. Je voulais acheter des loups. Oh bah oui, il n'y a que des femelles. Je vais acheter deux femelles. L'air pas haut, non. En bonne santé. Taille, mais je sais pas ce que c'est. Et elle, 5 ans. Je vais acheter elle. Mais j'ai pas adopté. Animaux en attente. J'ai un animal qui a disparu. Je sais pas, j'ai un animal qui a disparu. Bah, par contre, attendez, mais il faut que j'arrête. Il est minuit, ça va faire 7 heures que je suis sur ce jeu. Je ne vois pas le temps passer. Ouais, j'ai entendu des bruits bizarres, je sais ça. J'ai un nouveau loup gris qui est arrivé au zoo. Ah, d'accord. Continue. Non, 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 je peux pas. Est-ce que ça marche bien? 339. 91. Mais elle va où l'argent pour les loups? Oh putain, ça jette des déchets au sol. Je vais devoir mettre des poubelles. Poubelle. Poubelle parce que je vois que les crasseux là ils jettent au sol. Comme des malpropres. Merde, les iguanes, elle a couché Maluko. Allez, je castre. Le petit manuel. Contraceptif. C'est le troisième petit, et eux, dès qu'ils ont un petit, ils se sentent mal. Donc, allez, contraceptif. Et pourquoi je vois pas? Il y a un deuxième loup que j'ai acheté, mais je sais pas où il est passé.
Manuel, tac. Ça. Merci Roman pour les 4 mois. Merci à toi. Et je vais mettre un resto, je pense. Comme ça, il y a tout ici. Enfin, il y a tout. Il y a, y a pas mal de trucs déjà à l'entrée. Oh, un resto, il va être con. Ouais, il est en longueur comme ça. Le problème, c'est que je vais avoir des mecs en plus. Ils ont cassé un banc. C'est quoi ces sauvages? Ils ont pété là. Mais ils ont pété ma table là. Allez, moins 15 000. Casser le matériel, allez-y. Les déchets là. Service inaccessible. Aucune table liée. Il y a des tables. Comment ça, il y a des tables? Ah, c'est vrai, je me suis dit que c'était petit dedans. Ah, c'est ça, là, faut mettre des trucs comme ça. Dedans, non? Ah merde. Je sais pas, j'ai pas la place en fait. J'ai pas la place pour mettre des tables pour mon resto. J'ai pas pensé à ça. Je vais mettre un, c'est mieux que rien, mais bon.
Et je vais mettre comme ça, je vais faire une allée avec des chaises. Mais bon, ça c'est pas stylé. Hein. C'est pas stylé, mais bon, c'est mieux que rien. Ah, je mets. Hein? Pas dérangé. Caméra de sécurité près de l'endroit où tu manges, t'es pas serein. Ah, cool. Mettre ça. Ouais, ça fera l'affaire hein, pour l'instant en vrai. Restaurant ainsi. Ok, là au moins j'ai des tables liées. T'as les prix pour les différents plats, pardon. Merci Lies, merci à toi pour le prime. Bienvenue. Bah j'ai trop. $1400 de bénéfice. Je vais mettre un autre coin là encore. Oh merde. Je vais mettre un autre coin là encore. Ça fait pas un peu intérieur d'être... Si, mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de skins. Ça, tu penses que je peux les lier au resto? En fait, je sais pas, je crois que ça, c'est des tables de resto, tu vois, ça? Là, ça, je peux pas les lier au restaurant. C'est pour ça, et le... Je trouve ça dommage, d'ailleurs, dans le jeu. Après, je sais pas si c'est avec les DLC ou autre, mais il y a pas assez de skins. Les gens ils vont partir là-bas aussi. Bon, et je vais m'arrêter là en vrai. Ils ont de la viande fraîche, mais lui il est trop serein, il est trop à l'aise. Trésor Ribas. Ah, l'argent elle descend vite. Hein. J'essaie d'aller vite, voir, d'accélérer. Ouah, ça monte trop vite! Ah, quoique ça monte vite, vite fait, hein. Les recettes sont pas folles. Bénéfice Toto. En moyenne, je fais du 6800 par an. Il y a 2 ans, j'ai fait 6200. L'année précédente, j'ai fait 12 000 de bénéfices. Là, je suis à 8 000. Année 5. Oh, ça va en fait. On va avoir une petite queue pour le resto, ça c'est cool. Ah mais il y a pas assez de tables, il y a pas assez de tables, c'est déjà pris genre. Je vais agrandir, je vais mettre des tables. Ah mais c'est trop moche là, ça fait forcer. Hein. C'est vraiment parce que j'ai pas le choix, mais bon. Je saurai pour le prochain resto. Hein.
Il va avoir d'autres tas pour manger. Je vais mettre les poubelles là aussi, parce que c'est crasseux. Ok, est-ce que le personnel va bien? Les loups, ils rapportent pas trop d'argent. Hein. Rien de 509. 110 les facochers. Ah, c'est bien, les enfants ils jouent un petit peu au jeu, ils apprennent. Non, mais bah, franchement, bon petit zoo. Beau petit zoo, les loups rapportent 180, ça commence à prendre. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Regarde, elle cherche. Allez, elle est Carole. Ah, c'est vrai, attends, j'ai les deuxièmes. L'autre là. Centre de rue. Là. Elisabeth, tu vas faire des recherches sur la. Bon, allez, ça, pourquoi pas. Ok. Allez, je m'arrête là. Bon, je fais une petite visite guidée. Est-ce que je peux me balader à la première personne? Non. Oh, un habitat avec clôture abîmée. Merde. Réparé. Attends, pourquoi vétérinaire requis? Attends, mais il faut tout dans l'enclos là? Ils vont pas bien? Les deux loups se nomment Yaya et Mathilde. Merci Kali. Et ben attends, on a déjà Mathilde, du coup je les rename. Mathilde. Attends, je vais appeler la femelle Mathilde. Ah, et ça. Et le mâle Yaya. Bon, du coup, oui, Actuzo Paris commence à prendre forme. Bon, après, je débute. En vrai de vrai, j'ai envie de m'améliorer sur le jeu pour pouvoir faire des trucs de dingue. Là, c'est encore le début. Et les gens sont contents. Les gens ont l'air contents du parc, donc tant mieux. Là, c'est le coin pour les employés. On arrive là, bam. Point information. Boum, premier enclos avec les facochères. Voilà, là les enfants ils sont contents, ils jouent, ils rigolent. On peut, si on veut, aller là-bas. Pas de centre de recherche dans un bâtiment libre. Ah merde, il n'y a pas de centre de recherche. Attendez. On va en rajouter un là. Mathilde va s'accoupler. Oh putain, déjà? Tant mieux. Centre de recherche. Ah non, je vais mettre. Tac, travail. Ok. Bon, elle a vite pris ses marques, oui. Elle a vite pris ses marques. Ils sont accouplés, mais je crois qu'il n'y a pas de petits. La petite tête s'est accouplée du coup avec Gezan. Donc c'est Gezan le mal alpha. Il y a Yaya qui est un peu plus en retrait là-bas. Parce que j'ai vu tout à l'heure dans les loups, il y a un mâle alpha, une femelle alpha, et c'est tout.
peut-être 3 étoiles, hein. Un bon, une bonne louve, les autres c'est 2 étoiles. Attendez, je reprends la visite. Donc là, nous avons du coup l'accès à... essayer de faire un truc fluide. L'accès en hauteur pour voir les facochères. Tac. Là, on a le coin resto boisson. La petite table là. Sinon, là, il y a le coin vraiment restauration. Voilà, il y a des tables. Il y a des poubelles. Il y a tout. Il y a le coin toilette ici. Là, on peut aussi admirer, du coup, les lémuriens. Faire un petit don ici. 1600. Ça marche bien, les lémuriens, ça marche vraiment bien. Là, la cage avec les lémuriens. Et juste ici, on a la cage avec les loups. Et là, les gens regardent pas trop les loups depuis là. Ils préfèrent monter, je crois. Ils préfèrent monter pour voir les loups. Voilà, là, ils sont pas mal en détente. N'oubliez pas, hein, je vois qu'il y a du monde, n'oubliez pas la petite pièce ici. Pas 110$, mais comment c'est possible de mettre aussi peu? Je vais le déplacer, il est pas bien. Je pense qu'il était pas bien placé, je sais pas. Les gens n'osaient pas mettre de l'argent. Faut vraiment pas hésiter, hein. Et je vois qu'il y a du monde en plus. On a 329 visiteurs dans le musée, il y a de plus en plus de monde, c'est cool. Ah oui, il y a le vivarium aussi ici. Petit vivarium, donc le coin là, faudra que je l'agrandisse, c'est que je rajoute des vivariums en plus. Mais voilà. Voilà pour le musée. Putain, en regardant comme ça, il est si petit, mais il y a tellement de gestion, de trucs à voir, à gérer et tout, c'est le bordel. Là, je t'envoie des exemples d'enclos. Je suis chaud en vrai, Malugo, pour avoir des idées, comme ça je peux voir un peu ce qui est possible, ce qui est possible de faire et puis améliorer tout ça. J'ai rajouté ça aussi. Ce jeu qui est IRL, j'ai l'impression. Bah ouais, IRL, je suis pas gérant d'un zoo. C'est normal. Hop. Ok. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai pas eu de... J'augmente mon zoo petit à petit. J'ai pas eu à faire de prêt ou d'emprunt. Je me suis pas mis dans la merde financièrement. Donc c'est cool en vrai. C'est cool. On va arrêter là. C'est 6,5 heures déjà sur le jeu.